Mes chaussettes, mes bottes, ma ceinture, tout est déjà prêt. Saperlipopette, où est mon bonnet? En tout cas, il n'y a pas de bonnet ici. Oh, le petit oiseau s'est coincé dans les rouages de l'horloge. Pas de temps à perdre, il faut le retrouver. Alors, le Père Noël descend en escalier, à moitié habillé. Dans la cuisine, le Père Noël ne voit personne, mais derrière la porte du cellier, on entend de drôles de bruits. Crunch, crunch, crunch. Kremlin. C'est toi, Mère Noël. Je cherche mon bonnet. Tu ne l'aurais pas aperçu. Pas du tout, mon pauvre. Mais je viens justement de retrouver la toque de fourrure que grand-mère Noël t'a offert pour ton anniversaire. Avec ça, au moins, je suis sûre que tu ne prendras pas froid cette nuit. La toque de fourrure, ça n'ira pas. Ce n'est pas du tout assorti à mon costume. Serait-il dans le bureau? En voilà une idée. Le Père Noël prend un raccourci pour s'y rendre sans tarder. Dans le bazar de son bureau, le Père Noël espère bien retrouver son cher chapeau. C'est là.
nous avons encore beaucoup de cadeaux à emballer avant ton départ. As-tu interrogé Farsot? On ne l'a pas vu de la matinée. Farsot, bien sûr. C'est mon lutin le plus coquin. J'aurais dû y penser. Soulagée, il est parfait. Ça y est.